de part validée pour le prix Techno que course plate sur la distance de 1000 mètres pour des poneys d'élite, alors que Klogan Kartrikal c'est tout de suite en bas du commandement avec Justigidibou qui est en seconde position, on est en troisième position avec Henri Pirouette juste devant Orielton Martina qui tente de venir Cosford Barassus et là également alors qu'on ferme la marche du peloton actuellement avec Longuet 12 Mina, les concurrents qui vont aborder le passage devant les tribunes avec Klogan Kartrikal qui emmène le peloton bon train dans cette épreuve avec Irène Fisti Kitibou qui est en seconde position, Henri Pirouette est là également, juste devant Irène Fistabita qui est là, juste devant Cosford Perle également devant Orielton Martina, Longuetto, Gemina, c'est Cosford Barassus qui ferme la marche du peloton avec Kiren, Diouf, Patrick, les concurrents à bord de le tour dans le début de la ligne opposée, pas de changement en tête avec Glolet Fertrekel qui emmène toujours librement le peloton sur un rythme effréné, alors qu'Henri Pirouette est en seconde position, Kazakh Menissi, Irène Fisti Kitibou est troisième juste devant Irène Fistabita qui vient maintenant en 4e position et qui s'est fait discrète pendant le parcours, qui a début entre ressources, de même Corielton Martina qui vient à l'extérieur, alors qu'un petit peu plus loin on retrouve Cosford Perle devant Longuet de Gemina. On est semble-t-il battu maintenant avec Cosford Barassus qui est en retrait. Les concurrents sont à la marge du tour en finale avec Cohen Fertrekel qui a supporté le poids de la course et qui tente de mettre un hypercut à ses rivaux, repartant dans le tour en finale. Une longueur évidemment sur Henri Pirouette qui va tenter de venir l'attaquer. On est à l'allée pour les places également avec Corielton Martina décalé à l'extérieur et Red Kitibou qui ne s'en laisse pas compter le long de la corde, 100 mètres de jusqu'à finale, c'est Klogan Kartrikal le numéro 7 qui va s'imposer. Klogan Kartrikal s'impose, Philippine Madamel, la Kazakh d'Augustin Madamel dans cette épreuve.